Salut les Diginautes! Bienvenue dans le live de DigiSchool! Je m'appelle Digirex, je suis le DC à DigiSchool que j'ai trouvé refuge. Du coup, dernier dinosaure, vous avez aujourd'hui un live avec un concentré de 65 millions d'années. Alors ça claque, hein, les gars. Alors c'est le moment de WhatsApper, de Facebooker, de tweeter, bref, d'appeler tous vos potes pour leur dire que s'ils veulent voir un dinosaure faire un cours de SVT, ça se passe ici et maintenant, et ça se passe uniquement à DigiSchool, la seule émission en live de France. Alors vous êtes partis avec moi pour un voyage extraordinaire où nous allons observer ce qui s'est passé durant toutes ces millions d'années sur notre planète Terre. Alors, oui, alors, mais vous savez que le fonctionnement de l'informatique n'est pas toujours à son top, même si je suis encore en vie, je n'arrive pas à avancer mes slides. Alors, il faut commencer tout simplement par reprendre un petit peu toute notre histoire. Notre histoire, elle a commencé il y a 14 milliards d'années. Il y a 14 milliards d'années, figurez-vous, que est apparu l'univers sous la forme d'un Big Bang. Et ce n'est qu'il y a que seulement 4,5 milliards d'années que l'on voit apparaître le système solaire, dont je ne dirai simplement que quelques mots, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'apparition et la disparition d'espèces. Alors, vous allez me dire, mais moi, à quel moment je suis apparu? Finalement, assez brièvement, aux alentours de cette période-là, ces 65 derniers millions d'années. Et avant, alors, que s'est-il passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que, durant les 550 derniers millions d'années, eh bien, on a découpé ces 550 derniers millions d'années en trois ères. L'ère primaire, l'ère secondaire, dans laquelle Digirex se trouve, et enfin l'ère tertiaire, qui est l'ère actuelle. Alors, nous allons découper quelques-unes de ces aires en plusieurs morceaux pour que vous puissiez comprendre que, effectivement, il n'y a pas de la vie sur toutes les planètes. Vous avez ici la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est quoi? C'est la galaxie dans laquelle nous sommes. Parce qu'il faut bien comprendre que toute cette vie qui est apparue, hein, n'est pas apparu par hasard. Vous avez un petit point jaune ici. Le petit point jaune, c'est le point dans lequel nous sommes. Ici, vous, devant votre écran, à DigiSchool, vous êtes sur ce point jaune dans la Voie lactée. Pour faire simple, nous sommes donc à la périphérie de la Voie lactée, de cette galaxie. Alors, des galaxies, évidemment, il y en a tout un tas. Et vous pouvez voir sur la photographie suivante que il arrive que certaines de ces galaxies puissent être prises en photo. Et vous avez ici une illustration de cette photographie-là, à savoir la galaxie du Sombrero. Là, c'est une vraie photographie. Ça n'est pas une représentation, c'est réellement une galaxie. Alors, notre galaxie ressemble à ça, à ce disque plat. Et cette galaxie est constituée d'environ 300 milliards d'étoiles. Imaginez-vous que il y a dans l'univers environ 200 milliards de galaxies et vous allez comprendre facilement pourquoi on peut envisager que la vie apparaît effectivement sur les planètes parce que le nombre, les mathématiques nous invitent à comprendre que les statistiques font apparaître la vie à plusieurs endroits sur l'univers. Juste quelques mots quand même sur la planète là qui nous réchauffe et l'étoile qui nous réchauffe, à savoir le Soleil. Comme je vous l'ai dit, dans notre galaxie, il y a environ 300 milliards d'étoiles, telles que notre Soleil, qui n'est rien d'autre qu'une étoile comme les autres. Elle a une taille un petit peu particulière, parce qu'il existe des étoiles beaucoup plus grosses que celle-ci. Alors, c'est grâce à cette situation particulière qu'est apparue ensuite la vie sur le système solaire et uniquement au niveau de la Terre. Vous avez ici les 8 planètes constitutives du système solaire. Alors là, nous, aujourd'hui, nous sommes ici sur Terre. Mais vous savez également qu'il n'y a pas de vie sur les autres planètes. Sur les autres planètes, ils n'ont pas la chance d'avoir des dinosaures ou d'avoir eu des dinosaures, même s'il n'en reste plus qu'un. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est que ces 550 derniers millions d'années commencent
par un découpage du temps, donc comme je vous l'ai dit en introduction, par l'ère primaire. Il faut toujours bien avoir en tête que ce que je vais vous dire concernant l'évolution des bestioles sur la planète Terre est lié également au fait que les continents se déplacent. Se déplacent sous l'effet, vous l'avez vu dans votre cours, de la dorsale océanique. Cette dorsale océanique qui va donc faire déplacer cette douzaine de plaques qui constituent notre planète. Comme vous l'avez vu dans votre cours, et notamment pour ceux d'entre vous qui sont en quatrième, vous avez dû voir qu'effectivement, les douzaines de plaques pouvaient se déplacer à des vitesses différentes. Nous n'allons pas refaire le cours concernant la tectonique des plaques, mais vous avez ici une belle illustration de ce qu'est la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les plaques se déplacent à des vitesses qui sont absolument variables. La vitesse de déplacement dépend de tout un tas de critères. Eh bien, sur Terre, la vitesse de déplacement va dépendre de la vitesse de formation du basalte au niveau des dorsales océaniques. Alors, après cette petite introduction, est-ce que vous avez des questions à poser à Digirex, à DigiSchool ? Pas de questions ? Ouh, on me demande comment je me reproduis. Eh bien, dites donc, voilà une première question qui est bien impersonnelle, ou en tout cas bien délicate. Alors, en fait, vous le savez probablement, je ne suis qu'un reptile. Or, comme tous les reptiles, nous avons affaire à une reproduction qui est sexuée avec une fécondation interne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les lézards, les alligators, bref, tous les reptiles se reproduisent de la même manière que moi et je ponds des œufs. J'essaierai de vous en faire un avant la fin du live. Un œuf. Je suis donc ovipare. Pas d'autres questions ? Alors, on va pouvoir continuer et rentrer dans le vif du sujet avec des bestioles qui sont absolument incroyables. Et en tout cas, du moins, j'espère que vous allez être fascinés par ce monde que nous allons découvrir en commençant, si on veut bien, par l'ère primaire. Alors, juste un petit rappel général avant tout. Vous avez ici sous vos yeux une frise qui récapitule comment s'est faite l'évolution sur Terre. Alors pour faire simple et être très rapide, vous savez probablement que les premiers êtres vivants à être apparus sont les invertébrés, notamment les cyanobactéries, les éponges, etc. Puis sont apparus les vertébrés, avec, dans l'ordre d'apparition, les poissons, les amphibiens, les reptiles. Mais voilà, là-haut, les oiseaux et les mammifères. Et oui, les hommes ne sont apparus que bien après moi, bien après que j'ai disparu. Alors tout a commencé durant une ère qu'on appelle l'ère primaire. Et durant cette ère primaire, il faut bien avoir en tête que la vie n'existait que sous l'eau. Alors dans l'eau, il y avait tout un tas de bestioles dont certaines ont disparu. Alors on ne sait pas très bien pourquoi. Ce que l'on sait, c'est que ces bestioles ont disparu suite à une crise biologique qui s'est passé à la fin de l'ère primaire. Voilà à quoi ressemblaient les océans durant l'ère primaire, c'est-à-dire il y a 540 millions d'années, je n'étais pas encore né. Vous avez un monde extrêmement foisonnant avec essentiellement des invertébrés. Des invertébrés qui peuplent les océans. Imaginez bien qu'à ce moment-là sur Terre, il n'y a aucune vie, ni végétaux, ni animaux. Alors nous avons sélectionné quelques-uns d'entre eux pour vous montrer à quel point la vie, lorsqu'elle se développe, et je crois que j'en suis un exemple, forme des individus, des êtres vivants en forme absolument incroyable. Regardez l'Odontogryphus, espèce de galette plate qui mangeait au fond des océans en raclant le sable. Le Vivaxia, regardez cette espèce de boule, on dirait un cerveau avec des cheveux. Et enfin l'Opabinia, qui était déjà une assez grosse bestiole. Alors du coup, ça c'était donc le Cambrien, ce que vous venez de voir, c'est-à-dire le début de l'apparition de la vie dans les océans. Mais bien entendu, assez vite, aux alentours de 360 millions d'années, est apparue la vie sur Terre.
lors du Carbonifère. Carbonifère qui a vu se former une quantité absolument astronomique de végétaux. Et moi, je les mange, les végétaux. Pourquoi tant de végétaux? Eh bien, ces végétaux ont pu se développer grâce au climat, et notamment marécageux, l'environnement marécageux, qui a permis à ces végétaux de grandir. Il faut imaginer qu'à l'époque, les fougères faisaient une quarantaine de mètres. Ah, nous sommes loin des fougères que nous avons l'habitude de rencontrer dans nos sous-bois. Du coup, cette abondance de végétaux a fait naître une quantité d'oxygène absolument considérable, plus de 40% de dioxygène, ce qui veut dire que l'on a vu ensuite apparaître des bestioles de taille absolument incroyable. Vous avez ici des araignées. Il faut imaginer à l'époque les araignées. Vous avez peut-être peur des araignées. Hein ? Eh bien, vous avez tort, puisqu'à l'époque, ces araignées faisaient la taille de la tête d'un homme. Et si ces araignées étaient encore vivantes, eh bien, elles auraient tout simplement mangé votre chat. Alors, il existe des bestioles encore plus spectaculaires. Voici Arthrope le rat. Arthrope le rat, c'est l'ancêtre des mille pattes. On considère que c'était le plus gros arthropode de tous les temps. Près de 3 mètres de long. Et oui, le Carbonifère a permis le développement des arthropodes d'une manière absolument considérable. Alors, les animaux qui sont apparus également ont conquis les airs. Nous sommes toujours dans cette période du Carbonifère. J'en profite pour vous rappeler que Carbonifère vient de carbone. Et donc, le gaz, le pétrole, l'essence que vous avez utilisé aujourd'hui pour chauffer votre café au lait ou prendre votre voiture, par exemple, eh bien, vient de cette période-là. C'était donc il y a plus de 360 millions d'années. Et oui, c'est bien pour ça qu'on parle d'énergie fossile et que ces énergies fossiles sont évidemment limitées et qu'il faut en tenir compte pour l'avenir. C'est bien pour ça que l'on développe les énergies dites renouvelables. Dans les airs, qu'avait-il ? Méganeura. Méganeura, qui a été le plus grand insecte de tous les temps, avec volant, hein, bien entendu, avec 70 cm d'envergure. Vous en avez ici une illustration, une énorme bestiole qui, elle aussi, était capable de chasser des proies de la taille d'un chat. Voilà pour le Carbonifère. Nous allons donc passer ensuite à l'ère secondaire. C'est mon ère, celle des dinosaures. Et vous allez voir que malgré ma taille imposante dans ce studio, hein, et ma longue tête et ma longue queue, je suis loin d'être parmi les plus gros. Le Jurassique, l'ère secondaire. Eh bien, à ce moment-là, la nature fait le choix du gigantisme. Décide que être grand, être gros, c'est devenir fort, et tel le T-Rex ici, être capable de survivre à tous les prédateurs. Alors, voici quelques-uns d'entre eux. Le roi, le king, le plus gros dinosaure, la plus grosse bête que la Terre ait jamais portée, je vous présente Amphicoelias. Attention, restez assis, 60 mètres de long, 10 mètres de haut, 90 tonnes. Amphicoelias a donc été la plus grosse bête que la Terre ait portée. Vous avez ici une illustration d'une voiture comparativement à cette bête-là. Il n'y a pas que Amphicoelias, il y en a encore d'autres. La suivante que vous allez voir, il s'agit d'une bestiole qui vivait dans les océans. L'hyopleurodon. L'hyopleurodon était une bestiole de 25 mètres de long. Certains scientifiques pensent qu'elle pesait 150 tonnes. Vous voyez que je peux encore manger avant d'atteindre ce poids absolument incroyable. Et comme vous le voyez sur cette petite illustration, 25 mètres de long, c'est à peu près la taille des cachalots actuels. Ça n'est pas tout. Dans les airs, il va y avoir également d'autres animaux d'une taille extrêmement imposante. Avez-vous des questions ? Mélodie demande ce qu'est une dorsale océanique. Mélodie, regarde-moi bien dans les yeux. Eh bien, une dorsale océanique, c'est la dorsale, c'est-à-dire une chaîne
deux volcans qui se trouvent au fond de tous les océans et qui produisent, comme tu as dû le voir dans ton cours, une quantité de basalte considérable. Et cette quantité de basalte va écarter les continents, les déplacer, créer des océans, enfermer et faire des chaînes de montagnes. D'Arcebois s'inquiète sur le nombre d'espèces disparues par an en moyenne. Les chiffres sont très variables. On peut même considérer que chaque jour, plusieurs dizaines d'espèces apparaissent et disparaissent. Alors attention, bien entendu, ce ne sont pas des grosses bestioles. Bien souvent, ce sont des insectes, par exemple, des animaux marins dont on ignore absolument tout de leur existence. Mais c'est tous les jours que la Terre bouge et les animaux bougent avec, évoluent avec. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et il y a qui me demande si tu peux approfondir un peu sur la crise tertiaire. Alors Elia, nous allons répondre à ta question immédiatement, puisque la crise entre le secondaire et le tertiaire, nous allons justement l'expliquer, ce qui a provoqué malheureusement la disparition de tous mes congénères il y a 65 millions d'années. Suis-nous, c'est tout de suite, là, maintenant. Alors, on nous demande pourquoi les insectes étaient plus grands avant que maintenant et est-ce qu'ils pourraient redevenir gros? Eh bien, comme je te l'ai dit, les insectes étaient plus gros parce que la quantité d'oxygène dans l'air était plus importante. Or, tu sais probablement que les insectes vivent, respirent grâce à des trachées. Ce sont des petits trous à l'entrée desquels il y a les stigmates et qui permettent à la bestiole de respirer. Plus il y a d'oxygène, plus la bestiole peut être grosse. Un retour en arrière, c'est-à-dire avoir des insectes de ces tailles-là signifierait que la quantité d'oxygène augmentera considérablement, ce qui n'est évidemment pas le cas. Cela se fait sur plusieurs millions d'années. Donc tu peux dormir tranquille. Non, il n'y aura pas d'araignée de la taille de la tête d'un homme ou des 1000 pattes qui font 3 mètres. Oula, Mélodie nous demande combien il y a d'espèces de dinosaures au total. Plusieurs dizaines et je pourrais même dire plusieurs centaines. Et on en découvre encore beaucoup actuellement. Et comme on en dira quelques mots, même certaines étaient à plumes. Impeccable! Je vois que vous connaissez pas mal de choses à ce sujet. Nous voulions terminer concernant les gros dinosaures. Vous savez, on me compare souvent au T-Rex, en pensant que le T-Rex est le plus gros dinosaure, le plus grand prédateur de tous les temps. C'est faux! Le plus grand était le Spinosaurus, long de 17 mètres. Alors il est vrai qu'il chassait essentiellement dans les fleuves et assez peu sur terre. C'est pour ça qu'il était moins redouté que le fameux T-Rex. Voilà en ce qui concerne notre secondaire. Nous ne pouvons terminer par le secondaire sans parler de ces animaux qui volaient. Ouh, alors là, restez accrochés à vos chaises. Vous aviez des animaux absolument gigantesques. Vous avez par exemple Azeogopteryx qui faisait... Restez bien assis, 12 mètres d'envergure et 6 mètres de haut. Oui, ce dinosaure volant était évidemment bien plus gros que le fameux ptérodactyle que tout le monde connaît, qui lui, vous l'ignorez peut-être, ne faisait que 70 cm. Vous avez sur la vignette suivante une illustration, un décorateur qui s'est amusé à reconstituer en taille réelle le fameux dinosaure volant. Comme vous le voyez, les tailles sont absolument considérables par rapport à un homme et vous comprenez pourquoi à l'époque les pauvres mammifères qui étaient de toute petite taille n'avaient absolument aucune chance de s'en sortir et donc n'ont pas pu se développer à ce moment-là. Alors, concernant l'évolution, vous êtes en train de comprendre que nous sommes passés des poissons aux amphibiens, mais comment cela? Eh bien, nous avons ici une illustration de comment tout ceci est possible. Le Tiktaalik. C'est un chaînon qui existe entre les poissons et les amphibiens. Vous le savez, les amphibiens, ce sont les grenouilles, les crapauds, les salamandres, etc. Bien. Eh bien, tout ça vit sur Terre. Comment est-ce que les bestioles sont passées d'un milieu marin, donc de nageoires, à un milieu terrestre avec des pattes? Eh bien, le Tiktaalik dont vous avez ici, tout à l'heure précédemment, le fossile, vous montre que petit à petit, les nageoires se sont donc transformées en pattes. Voilà un très bel exemple d'évolution d'animaux qui passent d'un milieu à un autre.
sur la vignette suivante, que voici. Oh, très bel exemple, l'archéoptérix. L'archéoptérix, nous avons vu précédemment le passage poisson-amphibien. Voilà comment on passe des reptiles aux oiseaux. Et oui, moi, le dinosaure, j'ai donné naissance aux oiseaux. On peut pratiquement dire que les poules que vous avez dans votre jardin sont mes descendants. Vous avez ici l'archéoptérix qui montre bien que c'est un oiseau, pas vraiment encore un oiseau parce qu'il a des écailles à ses queues, à sa queue, et a encore des plumes. Nous sommes typiquement dans un exemple d'une bestiole qui n'est plus vraiment un reptile, mais pas encore un oiseau. Et oui, ce Jurassique s'est ensuite terminé dans des conditions assez catastrophiques. Mais Darwin, lui, a théorisé tout cela. Et pour vous montrer un exemple relativement récent de ce qu'il avait envisagé à l'époque et sur lequel il a été beaucoup critiqué, voici un très bel exemple d'évolution. On a parlé beaucoup de ces animaux anciens. Aujourd'hui, actuellement, regardez. Darwin, à l'époque, est tombé sur cette fleur avec cet éperon-là qui est extrêmement long. Et il a dit, en 1860 et quelques, qu'il y avait probablement un insecte pour polliniser cette fleur. Eh bien, il n'en connaissait pas l'existence. Ça n'est que plus tard, en 1903, c'est-à-dire plus de 40 ans après, que l'on a découvert le papillon qui était capable de polliniser cette fleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le papillon a réussi à s'adapter à cette fleur avec cet éperon incroyable et donc devenir son unique pollinisateur. Très bel exemple d'évolution. Alors, comme vous le demandez souvent, mais comment est-ce que cet insecte avec une trompe pareille pouvait voler ? Eh bien, vous l'avez à l'écran. Regardez, l'insecte enroulait sa trompe comme un morceau de réglisse pour ensuite pouvoir la dérouler et attraper le nectar qui était dans la fleur. On poursuit avec le drame. Le drame de ma vie. Le drame de ma famille, celle des dinosaures. Et là, j'en reviens à Diginote qui posait la question, mais que s'est-il passé ? Eh bien oui, une comète. Une comète de 10 km de diamètre est venue percuter la Terre, dans un endroit extrêmement précis de la planète Terre, pour laisser ensuite la place aux hommes. Et oui, j'ai disparu en laissant la place aux hommes. Alors certes, les hommes avaient chaud, hein, je suis très chaud à l'époque, il faisait très très chaud, parce que comme vous voyez, le climat était particulièrement torride à l'époque. Et surtout, ne l'oubliez pas, on a vu apparaître des mammifères suite à la disparition de ces dinosaures. Que s'est-il passé précisément ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 65 millions d'années, c'est une météorite de 10 km d'envergure qui est venue percuter la Terre. Et voici l'un des derniers selfies que nous avons pu prendre, que j'ai pu prendre moi, Dinorex, avant la disparition de mes congénères. Alors ces congénères, évidemment, ont subi cet impact dans une zone précise de la Terre. Nous sommes dans le golfe du Mexique. Et à Chicxulub que l'impact s'est produit. Et comme vous posez souvent la question, mais quel effet ça a pu avoir ? Eh bien, ça a eu un effet à long terme. Ne croyez pas que c'est l'onde de choc de cette météorite qui a permis la disparition des dinosaures. C'est la quantité de matière, de poussière absolument gigantesque qui a fini par se propager partout autour de la Terre et former un voile. Et ce voile a donc empêché les rayons du soleil d'atteindre le sol et donc empêchant les végétaux de faire la photosynthèse. Alors vous imaginez bien que notre amphicoélias de 60 mètres de long qui mangeait environ 3 à 4 tonnes de végétaux par jour, eh bien a fini par disparaître, effectivement. Oui, il faut bien avoir en tête que des événements catastrophiques peuvent à tout moment conduire à la disparition d'espèces. Vous avez ici la preuve, hein, parfois on demande, mais comment est-ce qu'on sait tout ça ? Vous avez ici une vision satellitaire de cette région-là et vous voyez très bien qu'il y a des espèces de cercles. Ces cercles indiquent l'onde de choc
que la Terre a connu il y a 65 millions d'années. Sur cette vision satellitaire-là, on voit également très bien les ronds qui correspondraient aux ronds que l'on ferait dans l'eau en jetant un caillou. Ça a été la première cause, le premier événement qui a causé le début de la disparition des dinosaures. Il y en a eu un second. Le second événement qui est apparu, qui s'est produit, c'est dans cette région-là de l'Inde, la région du Deccan, il y a eu une éruption volcanique absolument gigantesque qui a duré, restez bien assis, près de 150 000 ans. On a du mal à imaginer qu'une éruption puisse durer 150 000 ans et pourtant c'est le cas. Eh bien, cette éruption qui a duré aussi longtemps a produit, elle aussi, énormément de cendres volcaniques. Vous avez vu ça dans votre cours, et donc a amplifié ce phénomène qui a conduit à la disparition des dinosaures, comme je vous l'expliquais, en commençant par la disparition des herbivores et ensuite des carnivores. Avez-vous des questions maintenant que notre ami Digirax nous a quittés pour un temps? Oui, on a Abdallah qui demande quelles sont les conséquences de disparition des êtres vivants. Alors Abdallah demande quelle est la conséquence de la disparition des êtres vivants. Bien, la conséquence première, c'est que chaque fois qu'une espèce disparaît, eh bien, elle laisse la place à une autre. Et là, je vous regarde droit dans les yeux. Il faut bien avoir en tête que, on va le voir, nous sommes apparus il y a assez peu de temps. Les dinosaures ont conquis la Terre près de 140 millions d'années et ils ont disparu. Regardez les traces qui en restent. Et oui, sur Terre, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à l'apparition de nous, de vous, être intelligents, eh bien, les espèces ont disparu pour laisser la place à d'autres. Avez-vous d'autres questions? Oui, Farid Juliana qui se demande comment se fait-il que les dinosaures évoluent différemment les uns entre les autres? Alors, Farid Juliana demande comment se fait-il que les dinosaures évoluent différemment les uns avec les autres, par rapport aux autres. Eh bien vous, chacun, là, derrière votre écran, vivez-vous, là, en ce moment, la même chose? Non, certains d'entre vous sont en train de grignoter une barre chocolatée, d'autres sont allongés sur leur lit en nous regardant tranquillement, d'autres peut-être sont en train de lire en même temps un bouquin, nous regardent d'un œil. Et donc, vous voyez bien que votre comportement dans un même instant n'est pas le même. Eh bien ce comportement différent va conduire inévitablement à un développement de certains organes. Si vous restez là, couché pendant des jours, des années, vous n'aurez plus besoin d'un certain nombre d'éléments de votre corps. Et si vous cessez de réfléchir, c'est pareil, vous aurez des neurones qui vont disparaître. Donc, des situations différentes conduisent à des développements d'organes différents et donc des bestioles différentes. On a Lina Bach qui se demande est-ce que c'est possible que toutes les espèces d'animaux disparaissent un jour? Alors Lina s'inquiète de savoir est-ce que toutes les espèces d'animaux pourraient disparaître. Là, Lina, vous parlez d'une catastrophe qui touchera la planète entière. J'ai une mauvaise nouvelle. L'année dernière, les scientifiques du monde entier ont décrété le début de la 6e extinction de masse. Celle dont on vient de parler précédemment était la 5e. Oui, pourquoi? Parce que depuis que l'homme est apparu sur Terre, il a fait disparaître près de 62% des espèces animales et végétales. Alors, inutile de préciser que nous sommes effectivement sur la mauvaise voie. C'est la raison pour laquelle des milliers de scientifiques dans le monde et des millions de personnes sur Terre ont pris conscience de ce problème et tentent de renverser la vapeur et changer tout ça de manière positive. Et enfin, on a Abdallah qui nous demande si on appelle la crise biologique le fait que les animaux disparaissent, est-ce que l'augmentation d'autres espèces a un nom, elle aussi? Si on appelle crise la disparition d'espèces, alors Abdallah demande comment est-ce qu'on pourrait appeler l'apparition d'autres espèces. Bon, on appelle ça tout simplement le développement et l'apparition de nouvelles espèces. Il n'y a pas de terme particulier pour ce mécanisme-là, surtout que, comme je viens de le dire, Abdallah, ce mécanisme, il a lieu là, en ce moment. On a du mal à imaginer ça. Au moment même où on parle, quelque part dans le monde, sur Terre, dans l'air ou dans les océans, de nouvelles espèces apparaissent. Il faut toujours imaginer cette Terre en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. C'est l'objet de ce cours aujourd'hui. C'est bon.
Allez, on poursuit pour le dernier rush, celui qui vous concerne, c'est vous. Là, une belle photo de famille. Et là, après avoir fait l'ère primaire avec le cambrial carbonifère, après avoir fait l'ère secondaire avec le jurassique et Dinorex, voici l'ère tertiaire dans laquelle nous sommes, qui a vu apparaître évidemment les hommes. Alors, beaucoup de lignées humaines, je dis bien les hommes. Et ce qui est important à comprendre dans cette affaire, c'est que même si nous sommes apparus récemment, eh bien, nous avons fait apparaître sur Terre différentes lignées humaines. Or, chacun et chacune d'entre vous, là, derrière cet écran, vous appartenez tous à la même lignée humaine, une seule. L'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, si vous voulez. Les autres ont tous disparu. Et vous avez ici une petite horloge. On s'est amusé à ramener le temps d'apparition de l'homme, grosso modo 7 millions d'années, sur une horloge de 12 heures. Eh bien, si on ramenait l'histoire de la Terre, c'est-à-dire les 4,5 milliards d'années à 12 heures, donc de minuit à midi, eh bien l'homme, proportionnellement, ne serait apparu qu'à 11h58, c'est-à-dire à minuit moins 2. Tout ça pour vous montrer que nous sommes apparus très, très, très récemment. Alors, on va faire un rapide tour d'horizon. Vous avez ici quelques-uns des exemplaires de lignées humaines qui sont apparues durant ces 7 millions d'années. Il y a évidemment les plus connus, l'Australopithèque avec Lucie, que vous connaissez tous, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, homme de Cro-Magnon. Mais si on voulait faire un arbre réellement complet, il serait beaucoup plus touffu, beaucoup plus grand, puisqu'il faudrait mettre environ une vingtaine de branches à cet arbre. Alors, il y a un ancêtre commun. Le voici. Et oui, l'ancêtre commun aux singes et aux hommes, c'est le lémurien. Sûrement une espèce légèrement différente du lémurien actuel, mais n'empêche que là, vous avez sous les yeux la zone de contact, la zone où d'un côté partent les hommes, donc la ligne humaine, et de l'autre, celle des singes. Donc lorsque l'on dit que l'homme descend du singe, c'est faux. L'homme et le singe descendent d'un ancêtre du lémurien. Alors, quelques exemples d'hommes qui sont apparus sur Terre, des plus anciens, Toumaï, 7 millions d'années. Il y a encore quelques années, on n'aurait pas pu faire ce cours. On aurait dit tout simplement que Lucie était la représentante la plus ancienne de l'humanité. Il y a quelques années, on a découvert Toumaï et Aurorine. Toumaï, c'était il y a 7 millions d'années. Aurorine, 6 millions d'années. Ensuite, vont apparaître d'autres lignées humaines. La plus connue, Lucie, Australopithèque, il y a 3,5 millions d'années. Alors c'est elle évidemment qui est la plus connue et qui a permis, on va dire, de faire connaître au grand public cette notion d'évolution. Ensuite, vous avez des individus que vous connaissez sûrement au moins de nom. Homo habilis, il y a 2,5 millions d'années. Homo erectus, il y a 100 000 ans. Alors progressivement, ces lignées humaines vont maîtriser tous les outils qui lui ont permis d'accéder à la civilisation, que ce soit la taille du silex, tailler du silex pour en faire des lances, pour en faire des instruments pour pêcher, pour labourer, pour couper des arbres, etc. Et puis évidemment, ce moment très important de la maîtrise du feu, qui va permettre non seulement de faire cuire la viande, mais aussi de chasser certains prédateurs. Et enfin, on va avoir ensuite tout près de nous, c'était pas si vieux que ça, l'homme de Néandertal, qui est apparu à peu près au même moment que l'Homo sapiens, mais lui, il a disparu, l'homme de Néandertal, il y a 28 000 ans, alors que l'Homo sapiens est apparu il y a 35 000 ans. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez ici l'homme de Néandertal et là-bas l'Homo sapiens. Eh bien, on sait maintenant précisément que l'Homo sapiens a fait disparaître l'homme de Néandertal en se reproduisant avec lui. Et comme il y avait beaucoup plus d'Homo sapiens que d'hommes de Néandertal, eh bien, en quelque sorte, la génétique de l'homme de Néandertal s'est trouvée fondue, mélangée à celle de l'Homo sapiens,
en ne laissant sur Terre plus qu'un seul type d'homme, vous, là, derrière votre écran, nous tous, où que nous soyons sur Terre, nous sommes des Homo sapiens. On ne peut pas terminer tout ça sans faire un petit clin d'œil à ce personnage historique dont je vous ai déjà parlé, à savoir Charles Darwin. C'est lui qui a théorisé tout cela, qui a compris qu'il existait un lien entre ces animaux, qui a compris également que cette évolution s'était faite par rapport à des conditions climatiques, géologiques, et puis des conditions évidemment qui sont liées au nombre de prédateurs qu'une espèce animale peut avoir, et qui a permis d'expliquer cette très longue et, je l'espère, très belle histoire qu'on a essayé de vous conter ici aujourd'hui à DigiSchool, avec toute l'équipe qui est présente dans le studio. C'est pour cela que pour cette fin de live, vous ne les voyez jamais derrière votre écran. Ils sont bien là, ils bossent pour vous et ils sont toute une ribambelle encore dans les open space de DigiSchool ici à Lyon. Eh bien, ils vous remercient de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous nous faites aussi bien rire. On espère en tout cas avoir réussi à vous apprendre des choses tout en vous faisant au moins sourire. Et on vous dit à tous, à toutes, parce que nous en sommes sûrs. Salut les gars, salut les Diginautes, à très bientôt sur DigiSchool.